je m'appelle Margot Carvalho, j'ai 23 ans et je suis pilote sur une 208 Cup sur le championnat Ultimate Cup en relais. Moi, c'est Enzo Carvalho, j'ai 17 ans, donc je suis le petit frère de Margot. Je roule dans deux catégories en sport automobile, donc en Clio, en championnat de France des véhicules de tourisme, et avec ma deuxième voiture, une 208 Racing Cup en sprint. Il y a 10 ans environ, nos parents ont eu un garage automobile. Donc dès tout jeune, j'étais tout le temps, je passais mes journées au garage. Et j'ai eu la chance, moi, avec un week-end avec mon père, on a discuté, on dit bah, tiens, je vais essayer un karting. Du coup, bah, on a acheté un karting le lendemain et puis après, bah, les courses sont venues comme ça. J'ai fait des championnats de France en kart et puis après, je suis passé apprenti mécanicien au sein du garage. Donc, et après, bah, dès mes 16 ans, l'âge légal pour passer en voiture. Et on a dit, bah, on passe en voiture, on en a acheté une. J'avais pas encore 16 ans. J'ai roulé tout l'été avec. Et puis après, première course, j'avais 16 ans et 2 semaines. J'étais le plus jeune du championnat. Et puis après, ça s'est très bien passé. Donc on a dit, bon, bah, allez, on achète une deuxième voiture, donc la 208. Et on va faire le nouveau championnat de France TC avec la Clio. Et un championnat Peugeot Sport avec la 208. Cette année, j'ai totalisé un total de 8 courses parce que j'ai pas pu faire toute la saison en 208 parce que bah, y avait des concurrences de date avec la Clio et je préférais faire le championnat Clio avec lequel j'avais pour but de gagner le championnat et d'être titré champion de France, que j'ai réussi à faire. Donc c'est assez exceptionnel à mon âge, à 17 ans, d'être déjà champion de France. Je suis tombée dans le sport auto grâce à mon père. Étant petite, il m'emmenait sur les circuits à droite à gauche. J'avais la chance de commencer déjà avec les baptêmes, donc d'avoir un peu de contact avec la voiture et les sensations qu'on peut ressortir à bord d'une voiture de course. Et quand mon frère a commencé à faire du karting, c'est là où j'ai eu le déclic et je me suis dit mais j'ai envie de faire ça moi aussi. Et donc petit à petit, j'ai pris contact avec des personnes qui étaient du milieu. J'ai eu l'opportunité de participer à une sélection avec deux SCM pilotage. Donc j'ai gagné le volant et j'ai participé à ma première course à bord d'une Lamera Cup sur le circuit de Dijon, une endurance de 8 heures avec le pilote officiel Fred Makovecki. Et à partir de ça, les choses ont commencé à s'enchaîner avec des courses, notamment j'ai participé à la finale OTC, donc c'est le championnat de tourisme que fait mon frère actuellement, TC France. Et j'ai fait cette course-là avec la 208 Cup et j'ai pris un plaisir monstrueux. Quand je suis à bord d'une voiture, je suis dans un autre monde. Je suis dans une bulle, il n'y a plus rien autour. C'est vraiment impressionnant. C'est une sensation où dès qu'on est dedans, on y va, on donne tout. Dès qu'on ressort, on a juste envie c'est de retourner, refaire la même chose, voire encore mieux. Et à chaque fois, ça prend au souffle, quoi. Il faut le vivre pour comprendre ces sensations qu'on peut ressentir et c'est juste exceptionnel. Enfin, c'est la passion et c'est incroyable. La passion du sport auto, elle est vraiment très particulière. Parce que c'est vraiment deux mondes à part, quand on n'a pas le casque ou quand on a le casque. Quand on a le casque visière fermée, le cerveau est complètement déconnecté. Il faut vraiment pas trop se poser de questions, sinon ça va pas fonctionner. Et moi, ce que j'apprécie énormément, c'est l'adrénaline. On est là en bout de ligne droite, on est à 200, mais on va freiner à 100 mètres. On va être là, la voiture, on va être à bloc de des perfs qu'elle peut avoir. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime bien. Et puis moi, j'aime beaucoup la bataille aussi en peloton. On part globalement, on est milieu de peloton, donc c'est là où il y a toute la bagarre et il y a des petites touches de ça, c'est sympa. Donc c'est vraiment très très kiffant. Et puis bah, par exemple, quand on se fait doubler, on dit bah, moi je me suis fait doubler, il a une tête, deux jambes, deux bras comme moi, je peux faire pareil. Donc c'est vraiment kiffant. Margot, elle a plusieurs petites facettes. Bon, c'est vrai que quand elle est sur les courses, quand elle a fait sa course au Castellet, ça s'est très bien passé. On a passé un bon week-end. Je l'ai aidé parce que je connaissais, vu que j'ai déjà fait une course en 208 au Castellet. Donc on avait mes vidéos qui étaient là en support. Donc
Donc voilà, on a travaillé tout le week-end. Donc dès qu'on lui disait quelque chose, elle le mettait en place. Et puis, mais après, voilà, Margot, ce qui lui manque, c'est quand même énormément de confiance en soi. Moi, c'est un avantage que j'ai comparé à elle. Par exemple, je ne me pose pas trop de questions et j'y vais direct. Et si ça ne va pas, calme-toi et on redescend d'un cran. Alors que Margot, il faut plus y aller crescendo. Et là-dessus, elle a besoin de plus de temps que moi. Disons qu'on est complémentaires dans le sens où on est un extrême à l'autre. Lui, il est très ouvert, très je vais parler machin. Moi, je suis plus sur la réserve. Donc, c'est vrai que cette différence nous complète aussi en même temps. Donc, on est complémentaires tous les deux, en fait. C'est un très bon pilote malgré son jeune âge. Moi, je suis très fière de ce qu'il fait. Et on ressent la passion quand il en parle, quand il est sur les circuits. Et on a envie de partager ça avec lui. Et moi, je suis très fière de lui. Au départ, c'était un petit peu dur avec la maman, mais maintenant, depuis qu'elle a pris goût à ça, elle est dedans aussi. Elle, son kiff du week-end, c'est tout nous préparer, faire l'intendance, que nous, on soit vraiment là, on vienne, on emmène notre voiture, on travaille sur notre voiture, on fait ce qu'il y a à faire, et on rentre dans notre voiture. On n'a pas autre chose à penser que avoir une bonne paire et puis donner le meilleur de soi-même. Et après, on ressort et on a la maman qui est super contente de ses enfants. Et puis moi, elle aime bien ça aussi, donc c'est plutôt cool qu'on ait les deux parents qui nous suivent dans ce sport-là. Pour la saison 2022, je me lance sur le championnat Ultimate Cup Series avec la 208 Cup en relais pour le coup. Enzo sera en sprint, moi je serai en relais. Pourquoi le relais? Parce que j'ai pas autant d'expérience qu'Enzo, j'ai pas fait autant de courses qu'Enzo, ce sera ma toute première saison concrètement. Et j'ai besoin de d'apprendre et de me performer sur ce que j'ai déjà acquis au long des courses que j'ai pu faire précédemment. 2022, je vais refaire le championnat TC avec la Clio pour remettre mon titre de champion de France en jeu. Et je vais reprendre une saison en 208, en 208 sprint, et plus favoriser la 208, essayer de faire plus la saison entière, et puis essayer de jouer le championnat junior de la 208. Et puis après, pour les années supérieures, donc notamment 2023, l'idée c'est de passer de catégorie supérieure avec la Clio. Donc là, je suis dans une catégorie 200 chevaux, donc l'idéal, ça serait de passer dans une catégorie 300 chevaux, et puis essayer d'aller chercher un autre titre de champion de France.